Kennis met Landry Moulimo, de Congolese international die zijn opleiding genoot bij de jeugd van Standaard Luik. Na een omzwerving bij Sint-Truiden kwam Landry in het eerste elftal. Hij speelde er kampioen in een team met heel wat kwaliteiten. Je hebt Fellaini, je hebt Dufour, je hebt Witzel, De Camargo, Bocani, Ivanovic. Mais vraiment, je veux dire, un joueur avec qui j'ai pris plus de plaisir, on va dire, comme c'est Bocani, c'est un joueur extraordinaire qui jouait très bien. Et aussi Dante aujourd'hui, qui était un très bon joueur aussi. Na een Turks verhaal kwam de Congolese Belg bij KVK terecht. Hij wordt bij de VK vooral op de linksachter geposteerd. J'ai appris beaucoup. Déjà, la tactique qu'on joue, c'est une tactique que j'avais jamais joué auparavant. On a commencé à apprendre ça depuis l'année passée. Et ça me plaît beaucoup de jouer vraiment un rôle, on va dire, très offensif et ça me plaît. Moulimo is een echte muziekliefhebber. In zijn vrije tijd luistert hij heel veel naar muziek. De linksachter heeft het vooral voor rapmuziek en enkele R&B-nummers. Pour le moment, j'écoute beaucoup l'album de Booba, Future. Là, ma chose préférée, c'est Tomber pour elle. On va dire c'est plus du rap, du R&B, c'est plus du genre comme ça de musique que j'écoute. Mais Booba, c'est vraiment un rappeur français. Landry heeft een hele ruime blik op de muziekwereld. Hij beluistert verschillende genres door elkaar. Ja, ik écoute beaucoup la musique allemande, j'écoute beaucoup. Mais souvent j'écoute musique religieuse, musique africaine des fois. Et avant de commencer le match, des fois j'écoute un peu du rap aussi. Tijdens de match tegen Cercle bezorgde de Congolese verdediger ons team een heel belangrijk doelpunt. Het was lang geleden dat Moulimo nog eens scoorde. En fait, j'ai attendu ce but depuis très longtemps. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pu marquer. Mon dernier but remonte à Saint-Trond, donc ça date il y a vraiment très longtemps. Et ça fait plaisir de marquer avec Courtrai. En plus, c'était un match quand même difficile, donc c'était 1-1. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 zat Moulimo in de selectie van de Rode Duivels. Maar doordat hij niet effectief tot spelen kwam, kan hij nu voor Congo uitkomen. Landry heeft zich met zijn geboorteland geplaatst voor de Afrika Cup. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir parce que ça fait quelques années que le Congo se sent pas qualifié pour la Coupe d'Afrique, je pense. Ça fait je pense 6 ans maintenant. C'est comme une coupe d'Europe ici en Europe ici quand ils jouent. Donc là-bas c'est une Coupe d'Afrique, c'est toutes les meilleures équipes d'Afrique qui se confrontent. Donc c'est toujours un plaisir de jouer contre tous ces joueurs-là. Door zijn periode bij Sint-Truiden heeft Landry een heel goede band met de huidige bondscoach. Mais je dirais que avec Wilmot, c'était mon premier entraîneur, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc je pense que c'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé, je veux dire.
Quand tu arrives dans l'équipe professionnelle, tu es jeune, tu as besoin de repères, tu as besoin qu'on te soutienne, qu'on t'aide. Et je pense que Marc l'a très bien fait avec moi. Landry probeert ook aan zijn écologische voetafdruk te denken. Bij goed weer komt hij met de fiets naar het stadion. Je suis devenu quelques fois en vélo, mais maintenant je peux plus, il fait très froid. Mais à l'été, tout ça en été, je viens souvent en vélo, en entraînement, parce que je n'habite pas très loin, j'habite à 100 mètres du stade. Donc c'est pas très loin. Altijd goed aan. Nu Chavarria die probeert door te breken. Chavarria brengt hem voor de goal. Mulemo zowaar. De linksachter duikt daar plots op voor doel. En wat is hij blij. Landry Mulemo met zijn eerste in deze competitie. Waar Cercle de partij redelijk onder controle leek te hebben in de tweede helft. Nu plots toch de goede aanval en de goal. Van Kortrijk via Mulemo. De maker van de eerste goal. Nu met de assist. Al zat